Nous saluons tout le monde qui branchait, nous apprécions Jésus-Christ sauveur nous. Juste avant que nous commencions, nous avons fait un coup de prière. Éternel roi des rois, créateur ciel et éternel, gloire, honneur, louange, exaltation à vous-même qui chita sous toi nous. Nous disons merci, papa, de ce que vous permettez que nous soyons capables là dans ce moment ça. Nous disons merci pour grâce ou pour faveur. Nous voulons demander pardon pour péché nous. Ça nous fait nous connaître. Ça nous fait nous pas connaître. Nous demandons tant prix pour contrôle programme pour nous. Parler à cœur nous. Purifier nous. Nettoyer nous. Changer nous. Nous demandons tant prix. Aidez nous de jour en jour pour que nous capables de venir plus proche à vous. Merci pour ce que vous faites. Continuez à faire pour nous. Bah, nous pouvoir Saint-Esprit. Nous prions parce que nous bonnes nous dit. Mais nous prions au nom de Jésus qui vit maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous avons commencé le programme nous avec le numéro 432. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son, quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Jésus tout entier, prends-moi pour que chaque jour, notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Amen. Nous avons récité ensemble le psaume 23, après quoi nous avons demandé à Frère Gerlens pour que les capables fassent prier ça pour nous. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous allons mettre nous à genoux pour que nous soyons capables de prier avec frère nous, frère Gerlens. Amen. Amen. Bon et capable, Père des cieux, que nous sommes capables de bénir, exalter d'éternité en éternité, Père, pour grâce au bon temps et ton amour envers nous.
Merci, Seigneur, pour le souffle de vie qu'on conserve en nous et assurance de vie éternelle qu'on bat nous pour vos pécheurs, alors que nous connaissons nous-mêmes nos fruits à la perdition. Mais cependant, par ta grâce, ou encore conserver ce souffle de vie, ou encore instruire nous, ou former nous, ou préparer nous pour la vie éternelle. Le moment, ça opère, lorsque nous nous approchons devant ta face bénie, pour ce moment, nous demandons de grâce que cet esprit capable d'accompagner nous. Après qu'on finisse laver nous et purifier nous de tout péché, faites descendre cet esprit, Seigneur, de façon pour que le moment, ça, puisse capable de passer en bien et selon Égide. On va permettre que nous capables de bénéficier amplement et surtout les familles pour qu'ils soient capables de souder davantage et permettre qu'ils soient capables de venir plus puissants, en lumière, grande lumière, à éclairer pour que eux-mêmes soient capables de faire un véritable flambeau dans le milieu côté que vous êtes. Fais ça pour nous, assiste-nous, prends contrôle moment ça et forme-nous en capacité de famille glorieuse. Au nom de Jésus, à la gloire, à la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous saluons tout le monde qui est branché dans le précieux nom Jésus-Christ sauveur nous. Comme nous déjà connaissons, aujourd'hui, c'est sous foyer. Donc, nous parler coller les oreilles nous, dans la bouche papa nous qui est dans ciel là, pour que nous soyons capables de tendre toutes les paroles senties bon que les gens pour moi à souhait. Donc, sans nous pas arrêter trop, nous avons passé Maïan by Fregalens. Bonsoir. Bonsoir, sœur Elisabeth. Bonsoir, encore une fois, avec toutes les amies nous, toutes sœurs, frères nous, qui trouvaient sous cri de minuit, normalement ça, pour que nous soyons capables ensemble de continuer à recevoir de bon Dieu des formations nécessaires et en façon pour que nous soyons capables de préparer nous pour combattre la foi. Comme nous connaissons chaque jeudi, les dédiés avec la famille, nous espérons que père, mère, enfant, ça y est qui présent, y est capable de faire maximum effort pour que y est capable là, y est façon pour que ensemble, nous capable d'entendre qui ça que mon Dieu gagne comme provision pour nous, et en façon spéciale, n'a demandé avec les mères. Pour que y soit capable d'approcher. Parce que en grande partie, il y a des choses là qui pourraient le dire qui concernaient yo en pile. Et ça jouait sur l'avenir même de l'Église et de la société. Ça extrêmement important et ça fait d'arrêter pendant que nous avons médité. Sous dernier strophe que nous faisons chanter là, Jésus tout entier prend moi pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. D'arriver où elle aimait des femmes, des mères qui, dans le moment ça, pourraient des paroles ça qui pourraient dire là. Toute mère levée main. Toutes mesdames, toutes filles qui soulignent là dans le moment ça, levez main yo en l'air, yon façon pour que nous capables ouais, qui quantité bénédiction que bon Dieu gagne en provision ce soir par rapport avec message ça. Donc, on a demandé avec toutes mes pour que yon capable levez main, tant pis, s'il vous plaît. Donc, nous n'avons pas besoin de lever main encore, puisque c'est celle qui déjà beaucoup de nous dit Amen. Donc, c'est quand on lève main. Donc, par contre, qui quantité sœur encore qui souligne dans le moment. Jusqu'avant que nous commençions, nous avons encore dit deux mots à Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, mais nous moments ça pour aller prendre parole. Nous avons besoin de puissance, nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de beaucoup capable de parler avec nous. Et comme ça, nous avons besoin de croire pour que nous sommes capables de communiquer avec petit tout.
En pile mère, dans le moment, ça a besoin. Mais il a besoin des paroles qui vont le dire à propos. C'est ça que nous demandons de grâce. Effacez-nous complètement. Prends place, nous, et parlez. Et comme ça, Seigneur, les mères d'ici, elles vont faire un travail incalculable. Et c'est comme ça, nous avons une assurance que l'Église, là, elle va richement bénir dans le futur. Parce que des mères, elles vont préparer leurs enfants pour le combat. C'est ça pour nous. Avec nous, bénis-nous. Prends contrôle le moment, ça, au nom de Jésus. À lui, vaine gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous pourrons aller foncer quatre cardinaux aujourd'hui sur les femmes. Nous pourrons aller. Alors, ce qui m'intéresse avec le dossier, ça concerne, c'est quand j'ai Abigail qui a été mis. Pendant ce maintenant, le son que l'a étudié de sa manifestation tellement goût, et pour ça que le philosophie a dit de lui, finalement, nous voyons que toute fille a supposé gagner esprit ça à manifester dans nous. Maintenant, on regarde exactement ce que la Bible dit concernant les femmes et comment mon Dieu insistait sur l'importance que travail que mesdames ont gagné pour faire. On regarde pour nous exactement ce que mon Dieu dit. Invitez-nous pour que nous capables de lire ensemble avec moi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24. Donc, comme c'est pour vous, mesdames, m'a demandé une fille souligne pour que nous capables de lire pour nous. Et nous lire à tout de rôle. Donc, sœur Bette, gardez pour moi qui fille, qui souligne, qui a aidé nous, et nous allons mettre à des voix, s'il y a 50 textes, il y a 50 tablés. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Ok. Donc, nous avons, monde qui est capable, ou avons, pour monde qui est sous Zoom, on va lever main et pour mon cri de minuit, on va faire 5 étoiles comme ça va ouais. Si nous en possibilité pour que nous capables, nous connaissons des monde qui dans machine à conduire, des monde qui dans travail. OK, nous est sœur Florence lever main. Sœur Florence nous ouvre pour bonsoir. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 6 qui verset exactement ça Gerlin. Donc, nous voyons que Frère Gerlin est tombé. Il est fin tombé. On a prétendu que il retourne. En attendant que il retourne, on a pu chanter en strophe dans le chantem nous pour asseoir. Vers Dieu s'élève un doux chant quand règne l'amour. Point de mort rude et méchant, quand règne l'amour. Partout sur notre chemin, fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Amen.
Amen, amen, m'a invité nous pour que nous capables de travailler avec moi, sœur Elisabeth. Nous t'avons tant de voix les sœurs, les mères, les femmes qui sont là, parce que moment ça, on t'y a dédié ensemble avec vous, parce que y a des gros missions que vous gagnez, et nous t'avons en participation active dans le dossier ça. Nous t'arrêtons les Éphésiens chapitre 25, verset 22 à 24. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24. Sœur Florence, le même est capable. Sœur Florence, merci déjà. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur, le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, Sœur Florence. Nous aimons lorsqu'on finit par la parole du Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, c'est bon Dieu qui parlait, qui invitait les femmes pour que soient capables de faire travail ça, pour que soient capables de soumettre à leur mari. Et on voit qu'il prend l'exemple de l'Église, de même que l'Église lui soumet à Christ, et c'est comme ça que les femmes lui soumettent à leur mari. Le texte nous dit en toutes choses, l'expression toutes choses mentionnée ici, dans tout ça qui conforme à la volonté de Dieu. Maintenant, le texte nous montre que c'est un impératif. Il paraît comme étant un devoir pour les femmes, c'est que comme il a dit, c'est ça les biens pour les faire même soumettre à leur mari. N'a pas lu l'autre texte encore qui est capable d'aider nous et n'a demandé mieux l'autre sœur. Merci, sœur Florence. N'a demandé à l'autre sœur pour qu'elle soit capable de lire pour nous à Colossiens chapitre 3, le verset 18, qui est capable d'aider nous grandement à ouais, ça que sœur, il y a rien pour faire. Et attendez bien, lorsque nous sommes dit tout à l'heure, important ce que parole a gagné, lorsque le dit en toutes choses, ça n'a pas venu dit en réalité, et vous avez dit, ma vie a parlé. Quel que soit ça que lui dit, même s'il n'est pas bon, même s'il n'est pas conforme à bon Dieu, on doit obéir. Dans Colossiens chapitre 3, 18, ça éclaircit. Ça invite nous pour qu'on soit capable de lire. Il y a notre sœur, lis pour nous. Okay, Sir Johan, on met with you soumise. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Donc, il a souhaité que nous chacun là, nous capables de sentir nécessité. Alors, comme on dit à Dili, un peu adressé avec les femmes, avec les mères, avec les filles d'ici, donc il faut que le capable rappeler nous que yon a bon bagaille que bon Dieu attend de nous, c'est la soumission avec le mari. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6, c'est un texte capable d'aider nous encore à comprendre le devoir que nous gagnons en tant que femme. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6. Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Amen. 1 à 10. Ah, sœur Nadine. Non, c'est sœur Joanne.
Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît toutefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen, amen, amen. Merci, Sœur Joanne. Merci, Ampine. Bon, ici, parole, ça, trois textes, ça, yo, que nous soutenons là. L'homme Philippiens 2, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24, Colossiens 3, verset 18, 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6. Nous sommes capables juste de faire une interrogation, ça. Comment se fait-il qu'il y ait des femmes aujourd'hui qui font tête pour tête à leur mari? Comment se fait-il qu'il y ait des femmes aujourd'hui qui, pendant que mari a adressé des paroles qui sont agréables à Dieu, a demandé pour être capable de faire des bagages qui conforment à la volonté de Dieu, et puis ils ont révolté et ils ont gommé? Ça, c'est une question extrêmement importante pour nous capables de répondre au fait que bon Dieu déjà dit, mais comment que ça nous doit. Il dit, femmes, soyez soumises de même. Soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc, sans que ne pas connaître que vous êtes des messagers silencieux. Donc, sans que ne pas connaître que sans ne pas prier, eh bien, d'autres personnes peuvent gagner par conduite que nous avons manifestée. En voyant votre manière chaste, votre manière réservée, et non cette parure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Donc, nous, on va le faire quitter pour une réforme vestimentaire là, donc nous ne pas prendre la dernière, mais nous avons rien pour que nous sommes capables de toucher ce point qui trouve lui dans verset 4 là, lorsque il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté est corruptible, un esprit doux et paisible. Souvenez pour moi dans votre Bible, un esprit doux et paisible. Donc, bon Dieu attend que les femmes, petites liées, les femmes chrétiennes, nous possédons un esprit doux et paisible. Et ça, il y a un grand prix devant bon Dieu. Ainsi je parais autrefois les sept femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Vous souliez ça encore. Femmes qui reconnaissent, qui très craintives pour mon Dieu, c'est des femmes qui soumettent à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Est-ce que nous chantons là qui ces femmes, nous sentons c'est comme ça que nous y est, obéissant avec maintenant? Et bien, tenons compte d'ensemble du texte à Yo que nous soutenons. En nous faisant une analyse de ce que l'esprit de prophétie dit, et ça a aidé nous à comprendre, de voir, extrêmement important, ça que nous gagnons. Témoignage, volume 1, à la page 118. Nous avons dit avec toutes les filles, les femmes, les mères d'ici, ouvre grand les oreilles pour que nous capables d'entendre qui ça vous dit, et ainsi, au cours de ce message, sans que nous te dit hier, alors que nous connaissons que nous toutes nettes, nous avons un examen spécial pour que pas gain en qu'un bas qui montait dans le fond nous. Nous devons être petits fonds nous, c'est au cours de cette semaine. Il y a des vents qui peuvent bien souffler. Il y a des situations de crise qui peuvent bien venir. Mais au nom de Jésus, nous devons triompher pour que nous n'ayons qu'une ligne qui manifeste dans le frère. Pas dans qu'un souci qui a foncé.
Satan a fait chercher pour le faire Jésus ça, il n'a pas de une place. Mais aussi, on nous remporté cette victoire. Maintenant, on entend exactement qui ça qui dit dans les témoignages. J'ai vu que l'épouse avait souvent de grands torts. Elle n'accomplit pas des efforts suffisants pour être maîtresse d'elle-même et faire régner le bonheur dans son foyer. On fait ce café-là et réfléchit. Ça, pour contenir le tadoué, pour finir le dialogue-là, et nous avons fait débat sur lui. Le texte nous dit ouais, que l'épouse, souvent que lui gagne de grands torts, n'est pas accompli et fort suffisant pour que lui mette lui et faire régner le bonheur dans son foyer. Elle est souvent de mauvaise humeur et se plaint inutilement. Ah bon, donc il y a un bagage souvent qui permet que foyer n'est pas capable heureux, car il n'a pas le bonheur qui a manifesté la dernière, il dépend en grande partie de la mère, de l'épouse, qui souvent le texte nous dit « Ouais, il y a bien du grand tort » par le fait que yo, parce que ça dépend de yo pour yo mettre tête yo, pour yo faire bonheur régner dans le foyer. Il y a souvent de mauvaise humeur. Et il plaigne inutilement. Le mari rentre du travail fatigué et soucieux et il trouve une mine renfrognée au lieu de paroles aimables et encourageantes. Oh, chère sœur, un font-il réfléchir. Donc, dans le moment où ça prend ma palais à là, vous mettez une sœur caprice. Parce que je connais l'expérience de Bagala comme conservé. Lorsque monsieur a absorbé dans le travail, a rentré dans le Kaila, tout fatigué. C'est le moment où il y a attendu nos paroles douces, nos paroles agréables, nos paroles qui font que le content. Parce que nous sommes dans des désappointements, nous sommes dans des situations de crise, nous sommes dans des problèmes. Donc, lorsque la rivière est dans le Kaila, il y a attendu. Tant que les habitants ont une joie, ils ont sourire aux lèvres, qui pourraient prendre des pieds en route, qui dit oh, mais c'est inabîmé. Donc c'est quoi par la pécaille pour lui. Mais malheureusement, parfois, alors une fois qu'on est exactement qui ça qu'on a passé dans la tête, mesdames, yo, eh bien, au lieu des paroles douces, il dit non, moi, il y a mon dernier mine qui m'arrive. Et ça, monsieur a même rentré tout fatigué. Donc, au lieu que je donne des paroles aimables et encourageantes, c'est bataille, ça a été rencontré. Bouche la boudée, 4000 enfants. Il n'est qu'un homme. Et son affection se détourne alors de sa femme. Il perd son intérêt pour son foyer. Son chemin s'assombrit. Son courage s'évanouit. Il n'a plus de respect de soi. Cette dignité que Dieu voudrait lui voir. Le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église. Et si la femme agit de telle sorte qu'elle sape son influence et lui fait perdre cette position de responsabilité et de cette dignité, elle déplaît à Dieu. Ah bon? Donc, chers sœurs, votre responsabilité est grande. Nous voulons pour que nous soyons capables de travailler de manière à élever notre mari. Par le fait que le texte nous dit, Sarah était obéie à Abraham de telle sorte que lui appelait lui son Seigneur. Donc, nous attendons aussi la gaïsa de la part de chaque femme, de chaque mère ici présente. Car le texte nous dit, si on mounie, maintenant automatiquement que les vignes sont mounies comme ça, sont mounies
comme ça, ou bien des paroles décourageantes, des vieilles paroles qui a manifesté, au lieu que le cacher nous sourire aux lèvres, c'est qu'un coup, là où il y a qui paraît plus bon pour lui, alors que lui rentrait pour qu'il soit capable de venir un soleil dans son cœur. Et il est rentré, ses mines, ses vieilles paroles, des paroles sans sens, des plaignants inutiles. Et mais de qui ça s'agit comme étant conséquence? Le mari se détourne de sa femme. Il perd son intérêt pour son foyer. Son chemin s'assombrit, son courage s'évanouit. Donc c'est un gros, gros, gros malheur. Ça veut dire que quand nous pas connaît, façon que nous agir en tant que femme, ça va permettre que Marie a perdu tout ça que l'idée. Mais c'est pas un bagage aussi qui va le faire, bon Dieu, content, car le texte nous dit, le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église, et si la femme agit de telle sorte qu'elle sape son influence et lui fait perdre cette position de responsabilité et de dignité, elle déplaît à Dieu. Donc, ici, la telle ça pas fait, bon Dieu, content. Donc, les femmes, nous luttons pour que nous capables de batailler, pour que nous capables de mettre de nous-mêmes. Et que ça dépend de nous. Pour ne pas quitter un petit trace passé. Comme le texte nous dit, lorsque Marie a rentré, l'isouine madame avec mille enfants, pour qu'il ait de temps en temps, pour qu'on t'a devant glace, qu'on a gardé son ombre, est-ce qu'elle va des balades? Donc pour les femmes de cri de minuit, il faut redouer c'est. De temps en temps passer, mais là, dans le ouest, qui n'est pas quelque bas, que vous menez à passer son bagage. Parce qu'il faut en ouest. Mais, donc, nous espérons constamment, c'est con ça la vaillée. S'il le faut même faire exercice, il y a que l'autre saleté, il y a l'autre dit comment nous informer, est-ce qu'il nous balade. Mais on continue. Qu'est-ce qu'a dit encore? C'est le devoir de la femme de subordonner ses désirs et sa volonté à ceux de son mari. Chers frères et sœurs, c'est pas une petite belle bagaille liée, non? C'est pas lâcheté, ça relève tout, non? C'est bon Dieu qui voulait le consacrer. Le mari est le chef de la femme. Il y a quelques bagailles en réalité que vous êtes capable de mener. Du moment que ce n'est pas un bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu, on prend exemple que nous, chaque là, nous gagnons, nous chaque gagnons idée, mais idée là, ce n'est pas un bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est plutôt une opinion par rapport avec yon bagay. Par exemple, nous avons le pêcheur Kaila, et puis, et madame me dit, c'est rose à ta remède. Marie a dit, non, on va mettre une balle de crème plutôt, etc. Et puis, il y a une discussion dans Kaila pour rose, crème, rose, crème. Maintenant, l'opinion ici, c'est pas contraire à la volonté de Dieu, pas dans quel mal c'est le pêcheur rose, pas dans quel mal aussi c'est le pêcheur crème. Au seul green bagay qui est-il, c'est que y a tous les deux, il n'y a pas même côté. Maintenant, à ce moment-là, lui dans la volonté de Dieu, de même que le mari est capable de faire tout sans problème, et bon Dieu n'a pas bien problème à ça, il dit, c'est le devoir de la femme de subordonner ses désirs et sa volonté à ceux du mari. Tous deux doivent se faire des concessions. Comprenez? Donc, ce n'est pas seulement madame non qui doit, que tous les deux sont capables de faire. Et cependant, le texte montre que mais la parole de Dieu donne davantage à la décision du mari. Donc, ça brûle dans l'esprit, nos chers sœurs. Nous devons connaître que bon Dieu plaçait le mari comme étant chef, comme étant autorité. Alors, entre parenthèses, moi aussi, comme étant père, comme étant mari, comme étant garçon, donc, nous devons connaître que c'est pas chef en qualité de nègre qui va le camper à bout de bâton, vous dites, père à gauche, père à droite, ici. Donc, ici, ce chef est en qualité de protecteur. Donc, c'est comme un capitaine bateau.
Ton volant est la main liée. Donc, par conséquent, nous avons besoin pour que nous soyons capables de comprendre que la parole de Dieu baille avantage à la décision du mari. D'ailleurs, la femme n'y perdra pas en dignité de céder à celui d'elle, à celui qu'elle a choisi comme conseiller et comme protecteur. Donc, c'est un plaisir idoyer pour la femme, pour qu'elle soit capable de céder. Il n'a pas perdu dignité pour cela. Pas oublier, il était connu qu'il était choisi comme étant protecteur. Il était connu qu'il était choisi comme étant comme conseiller. Donc, par conséquent, si moment arrivé, quand il y a une grande décision qu'il lui prend, et puis il céder au mari, donc ça n'a pas aucun problème, avec aucune valeur qu'il a prédit. Au contraire, c'est avec pour du choix, pour du remettre aux avouer, mais comme tu as parlé, il cédait. Donc, en fin de compte, mais qui t'a mon Dieu volé, qui doit manifester au sein de la famille, entre mari et femme, mais comment le demander pour filles capables. Donc, un jour, il a fini pour les garçons. Alors, comme je dis, les femmes d'abord, il s'accepte commencer avec les femmes. Et pour qui ça en réalité? Que travaille mesdames, que travaille maman, il est tout important ça. Chercheur, tendez en pile, vous passez ça, il est vraiment frappé. Il fait me comprendre en réalité que travaille mère, là, il est noble. Le Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31, il a demandé encore de notre sœur, de notre soldat, de la croix, pour qu'il soit capable de lire pour nous. Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31. Proverbe 31, verset 10 à 31. Si est-ce que Céline, encore une fois, c'est Elisabeth. Vous êtes capable de dire non? Ok. Sœur Nancy, levez-moi. Bonsoir, Sœur Nancy. Bonsoir, Sœur Nancy. Si tu peux trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de plus de valeur que les terres. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui seront pas de faux. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lait et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche de ses servants. Elle pense à un champ. Elle pense à un champ et elle s'assied du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle fait de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le ciseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de fourre. Son mari est considéré au poste lorsqu'il
siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la vivent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais croient si les filles passent tout. La grâce est trompeuse et la beauté est belle. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera douée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la louange. Parole du Seigneur. Amen. 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 Merci, sœur Nancy. Ici sont représentées les caractéristiques d'une femme vertueuse. Et comme le texte l'a déjà dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que des perles. C'est pour montrer que genre de femme ça yo là. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et nous rappelons que genre que l'idée dans le proverbe que joignons bon fils, c'est un don de l'Éternel. Donc c'est pas en jouet ça y est. Non, capable de lire ça dans le livre de Proverbe chapitre 18. Il expliquait clairement que pour joindre un bon fils, c'est un don de l'Éternel. Donc, par conséquent, c'est pas bête qu'il y ait au mais c'est que j'aime, donc pas le chercher. Non, dans l'esprit, ça lui dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, Jean texte l'a mentionné là, donc c'est pas un bagage au senti comme il avait propre force pour Walderie. C'est une grâce venant de l'Éternel. Et là encore, on l'est mentionné au verset 14 du Proverbe 19, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc, chers frères et sœurs, jouer une femme vertueuse, c'est un don de l'Éternel. Donc, à chaque mari qui a regardé les traits de la caractéristique de Proverbe, chapitre 31, verset 10 à 31, manifestés dans leur femme, qu'il y a abattu. Par le fait qu'il y a trouvé le bonheur, par le fait qu'il y a joigné un bon bagage, c'est une grâce venant de Dieu. Et nous espérer en réalité que chaque graine femme crie de minuit. Je prends le premier Proverbe, chapitre 31, verset 10 à 31. Je prends l'examiner en profondeur et assurer que les traits caractéristiques ici mentionnés font partie intégrante de leur vie. Ça, ils ont remarqué qu'ils n'ont pas gagné. Il va demander mon Dieu pour qu'il soit capable d'entrer dans yo. Et c'est comme ça qu'il va représenter dignement Dieu dans leur caractère. Travail que vous gagnez est important parce que lui dit comme ça, lui ouvre bouche lui avec sagesse et des instructions aimables sont sur ses lèvres. Oh, une femme comme ça, lui pas paresseuse. Lui diligente, lui pas peine en nuit, donc lui pas chaleté, lui toujours à travail, respecte son mari est
considérés comme des graves lorsqu'il chita avec les autres. Donc, si l'on sent que l'on connaît que l'idylle, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Donc, c'est par le fait que gagner, y a un beau bagage en arrière-plan qui fait que, ou même qui en devant, on est capable de parler. Mais c'est ça qui est derrière, qui derrière celle-là, mon cher là, mal joué, je vais être là, donc, ou même qui parle devant, on parle mal représenté. Donc, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Donc, c'est pour vous dire rapidement, chers sœurs, que nous avons besoin pour que nous soyons capables de faire travail, ça, pour que nous soyons capables d'honorer Marie. Et très de caractéristiques qui mentionnées dans Proverbe, chapitre 31, verset 10 à 31, pour faire partie, intégrale de votre vie. Le Wealth Reformer, 1er avril 1880, les mentionnées paroles saillot que nous parlons dire là et nous mentionnons encore pour nous prêter attention. Le travail le plus élevé pour une femme est la formation du caractère de ses enfants d'après le divin modèle. Qui travaille qui plus élevé, chère sœur, pour une femme? Qui bagaille qui plus important qui vient devant nous? Est-ce faire la vaisselle? Est-ce que c'est laver? Est-ce que c'est repasser? Est-ce que c'est faire manger? Tout bagage sérieux nous mentionné à là, c'est des bons bagages qui font partie intégrante des travaux domestiques. Mais cependant, le texte nous dit le travail le plus élevé pour une femme est la formation du caractère de ses enfants d'après le divin modèle. Et connaissons aussi, Jean-Claude Dilly, on donne ce qu'on a. Si la femme n'est pas prend du temps maintenant pour qu'elle soit capable de copier sur le divin modèle, comment qu'elle pourra le faire transmettre à ses enfants le caractère de Christ. Donc, il est extrêmement important pour que constamment, femme, non, les latéris dans la contemplation de la croix lui-même, pour qu'elle soit capable d'étudier les traits de caractère de Jésus constamment, et en façon pour qu'elle soit capable de mieux représenter Jésus devant ses enfants, car c'est son travail le plus important. Si les mères chrétiennes, écoutez attentivement, si les mères chrétiennes avaient toujours fait leur travail avec fidélité, il n'y aurait pas maintenant autant de difficultés dans l'Église à cause des membres désordonnés. Donc, ça veut dire comprendre que lorsque gagner des membres désordonnés, des membres entêtés, des mondes qui parlent étendus, qui parlent obéis à l'Église, c'est par le fait que, en partie, le travail des mères est négligé. Je reprends le texte. Si les mères chrétiennes avaient toujours fait leur travail avec fidélité, il n'y aurait pas maintenant autant de difficultés dans l'Église à cause de membres désordonnés. Les mères forment les caractères qui composent l'Église de Dieu. Nous tendez? Est-ce que nous sommes là en tant que femmes, nous tendez? C'est nous-mêmes qui gagnons travail ça pour former les caractères de l'Église de Dieu. Travail moment pas pitié. Chaque mère ici a besoin pour qu'elle soit capable, en qualité d'éducateur, pour y éduquer Timonio, transformer à l'image de Christ. Quand je vois une église en difficulté, dont les membres sont entêtés, emportés, ambitieux, autosuffisants, et ne se soumettent pas à la voix de l'Église, je suis conduit à craindre que leurs mères ont été infidèles dans leur toute première éducation.
Ils font une déclaration terrible, là, chers frères et sœurs. Ils disent, lorsque nous avons l'église, où il y a des gens qui sont entêtés, des gens indisciplinés, des gens qui ne peuvent pas l'étendre, des gens mal élevés. Ils mentionnent clairement. Ils conduisent à dire. Il y a crainte que leur mère ont été infidèles dans leur toute première éducation. Donc, chercheurs, une phase extrêmement importante là, qui demandait la présence divine pour intervenir en notre faveur. Donc, on finit par comprendre que c'est nous-mêmes qui avons formé les caractères pour l'Église de Christ. Donc, il était seulement 10 minutes pour les débats. Donc, on ne pouvait pas aller trop loin. Donc, on a obligé de camper là. Que mon Dieu, dans sa grâce, les femmes fassent de cris de minuit, chagrin de femmes là-dedans. Des femmes gracieuses. Des mondes spéciales. Caractéristiques de femmes. Proverbe 31, verset 10 à 31. Des femmes vertueuses. Des femmes qui réellement constituées comme étant un don de l'Éternel. Des femmes qui constituées comme étant une grâce venant de Dieu. Et que chaque homme qui a senti que c'est une femme consacrée que bon Dieu bénit, pour sûr et certain que la sourit. Et que c'est une tagadée aussi. Les traits de caractère ici mentionnés, ils n'ont pas présent, ils n'ont pas trop tard. Parce que là encore, mal quelle que soit la difficulté qui est capable de venir auparavant, l'Évangile apporte une consolation. Jésus peut transformer, de même que il était changé le cœur de Saül, il est capable aussi changer le cœur de la femme et permettre que les vignes tournent en femme vertueuse. Que nous prenons du temps pour que nous capables de lire Proverbe 31, verset 10 à 31. Et ces traits de caractéristiques à développer dans nous chaque jour. Nous demander pour que chaque jour, texte il n'y a pas qui merveille qu'il va accomplir dans votre vie de femme. Que mon Dieu est capable de bénir nous chaque. Qu'il est capable de remplir nous d'amour. Qu'il est capable de remplir nous de respect et de soumission pour notre mari, car c'est ainsi que la chose commence. Parce que si respect n'a pas manifesté pour le mari devant Timonio, c'est bien le caractère de Christ qu'on t'a voulu communiquer à poil impossible. Parce que Timonio a dit en ouais, ouais, fidèle à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, femmes. Et que le chat est là, nous capables de rejoindre une nouvelle puissance pour le combat. Si ça y est bel et bien respecté, si Jean que bon Dieu vous conseille là pour nous, nous prendre à cœur et nous prier pour que nous capables de venir comme ça, prédominer à tout l'ayant du feu par le fait que des mondes pourraient gagner sans parole. Seulement, il y a pas gardé la conduite des femmes et il a décidé de rentrer à l'église. Que Dieu vous bénisse tous et que le sang de Christ n'est pas coulé en vain. En façon que moi-même, avoir, nous capables de faire ça dépendre de nous pour le salut. Que la grâce de Christ n'est capable de faire travailler dans nous. Et que chaque femme capable de venir aimer Jésus beaucoup plus. C'est un poule, chers frères et sœurs. Automatiquement, que nous venons aimer Jésus beaucoup plus. Tout ça nous dit, il y a pour elle paraître chouette. Il y a pour elle paraître pas de montagne encore. Il y a pour elle paraître des choses automatiques. Parce que nous aimons Jésus, c'est comme ça nous devons automatiquement. Que Dieu vous bénisse tous. Bon courage dans le nom du Seigneur. Que chaque femme ici dans le cri de minuit capable de transformer ce soir en des femmes vertueuses, des femmes gracieuses pour le Seigneur et constituées comme un booster pour la prédication de l'Évangile. Que Dieu bénisse tous, chers frères. Amen. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour le message que l'Évangile pour nous,
vraiment avec Samuel. Donc, sœurs, mes sœurs, nous avons un gros travail pour que nous sommes capables de faire. Et nous connaissons que bon Dieu a aidé nous à faire travail, là. Nous obligés de faire, nous devons faire. Et bon Dieu a ban nous en force et courage pour que nous sommes capables de faire travail, ça qui est extrêmement important. Nous allons mettre nous à genoux pour que nous sommes capables de prier. Nous avons des frères Galens pour que nous sommes capables de prier pour nous. Et ma poêle, n'a pas été genou pour la prière et ma baille avec Madame Gerlens, comme son seul cher, pour que lui-même est capable de faire prière ça en place. Oui, je m'appelle Père Destieux pour ma canon qui est en Australie. Nous bénissons et nous exaltons le nom de l'éternité et de l'éternité. Nous avons fini pour faire pour nous, pour continuer de faire pour nous. Nous vous remercions pour grâce, l'amour, bonté, vous, l'impatience envers nous qui se détruisent, cher Seigneur. Et nous vous remercions pour l'opportunité que nous avons pour nous capables de donner conseils de nous à vous et les qui nous tendent et tout erreur que nous avons fait, eh bien, nous avons nécessité de nous capables de corriger les erreurs passées. Mando bon état de perdre, tantôt capable de verser bénédiction sur chaque mère. Sur chaque mère, sur qui Dominique qui t'a perdu parole, ça y est, Seigneur, mettre qui parole, ça nous pas attendre pour t'endé, mais capable de graver dans la mémoire, non. Et qu'il est que nous avons fait face à des situations, cher Seigneur, nous-mêmes reines, foyer, yo, parfois que nous tellement travail nous fatiguer, ça nous permet de nous irriter. Mais là, moi, d'autant pour capable d'aider nous, là, que nous, dans un moment, ça, que cet esprit capable avec nous, et qu'on soit nous capable de garder calme, non, silence, non, pour que nous ne pas commettre des sottises, et si mon, yo, qui n'a foyer, côté que nous, c'est des exemples pour yo, pour que yo pas mal formé, ou pas jeune des mauvaises influences. Quand vous nous demandez au Seigneur, aidez-nous à pour force, ça nous ne sommes pas capables. Bénis-nous avec nous, merci. Tout ce qu'on fait pour nous, ça continue à faire pour nous. Et cher que nous y est, nous pouvons consacrer nos vies, et puis c'est tout, nous même qu'à vivre, qu'à prier pour tout un temps. Amen. 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 Merci, sœur Charline, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. Merci, sœur Charline, pour faire votre prière ça. Et merci, frère Garlands, pour te quitter, bon Dieu, utiliser vous pour porter paix de vie ça à soi. Donc, c'est là que nous restons, frère, avec ce mieux. Demain, si je veux, pas oublier le programme demain, si je veux, c'est 6 heures du soir, 6 heures pour 7 heures. Programme vendredi, yo kan commencer pi bonheur sa pral vin dépend de leur sabbat a commencer. Donc puisque sabbat commencer bonheur pour nous en zone côté nous yon, depuis à 4h50 sabbat commencer. Donc programme souki de minuit il est à 6h du soir, 6h pour 7h. Donc branché vini témoigner sa bon Dieu fait pour vous avec famille. Donc c'est là que nous rete. Que paix et grâce Seigneur capable d'être ensemble avec nous chaque là. Bonne nuit avec Jésus. Bye bye. Conference recording. Stop.